que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Chine. J'attendais ce colis depuis belle lurette, vraiment depuis longtemps. Puisqu'il y a beaucoup de choses pour mon petit frère. Et en fait, mon petit frère est venu en vacances plusieurs fois. Il attendait ce petit colis et il voulait l'ouvrir avec moi. Je me suis dit que ça allait être une super vidéo, tous les deux ensemble. Ça aurait été l'occasion de découvrir mon frère avec moi en vidéo. Mais ce colis est arrivé pile poil quand j'ai ramené mon frère. Donc là, je l'ai ramené hier chez ses parents, enfin chez mon père et ma belle-mère. Et malheureusement, le colis est arrivé un jour après. Donc lui était deg, moi aussi. Donc voilà, on va faire avec, puisque malheureusement, je ne le revois pas tout de suite, pas avant le mois d'août. Et que j'avais envie quand même d'ouvrir le colis, parce qu'il y a des choses pour lui, mais il y a des choses aussi pour moi. C'est justement pour partir en vacances, donc ça sera quand même plutôt utile pour moi. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que mon petit frère a une mission. Dès que je vais lui ramener ces petites choses-là ou lui envoyer, eh bien, sa mission, c'est de les mettre, de nous envoyer une photo en espérant que je puisse les mettre sur le côté à chaque fois pour que vous puissiez avoir le rendu sur lui. Et promis juré, si vraiment l'idée de cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de voir mon petit frère en vidéo sur une vidéo voilà, un peu chine, un peu mood, un peu mode, puisque la mode c'est un peu son truc, il aime bien ça, n'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo, à vous abonner, à me le dire dans les commentaires, allez-y, soutenez-le, hein, mon cher petit frère, soutenez-le parce que je pense que ça lui fera plaisir et il est sûr quasiment de venir au mois d'août fêter son anniversaire chez moi. Et chez ma copine Laetitia au passage, parce qu'elle a décidé de vouloir le fêter avec lui. Et du coup, ce sera l'occasion de peut-être avoir un autre colis Shein et de faire une vidéo avec lui. Pourquoi pas? En tout cas, dites-nous tout ça dans les commentaires. On va commencer par dans le colis, il a voulu des lunettes de soleil. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait des choses pour l'été pour lui. J'étais un peu deg. Donc j'ai reçu ça dans une boîte, comme ça c'est assez bien présenté. C'est un lot de deux, à chaque fois j'essaierai de vous mettre les prix dans la vidéo ou en tout cas tout dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire ça du mieux que je peux avec le peu de temps que j'ai. Sachez que on a, dès qu'on passe des commandes Chine, on utilise mon code promo qui est le -15% et qui est Karine Miss Bug, qui marche sur tout le site. Donc à l'intérieur, je crois que c'était 2,99€, un truc comme ça. On a la petite lingette comme ça pour nettoyer les lunettes. Et il y a deux paires de lunettes, une blanche, une noire dans ce style là. Alors je crois que c'est un style qu'il aime beaucoup. Écoutez, juste pour le délire, je vais quand même tester parce que je me dis, voilà, hein, au moins je teste. Écoutez, je trouve ça canon. Je sais pas si je vais m'en garder une petite paire. Bon après moi j'ai des lunettes de vue, mais pour le style c'est vraiment sympa. Même pour mettre comme ça, si vous avez envie d'avoir une petite coiffure. Ah c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Bon Elias, est-ce que tu gardes les deux paires? Bon, je verrai ça avec lui évidemment. Mais c'était un lot pas cher. Vous avez deux paires à l'intérieur. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Bah, je commence par ce qui vient et les premières choses qui viennent, ce sont des choses pour mon petit frère. Donc c'est Shein Kid. Je crois qu'il prend du 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement. Mais là, oui c'est ça, 13-14 ans. Il s'est pris un petit shirt comme ça, dans les teintes un peu marronnées, beige, avec le petit ours. Honnêtement, je l'ai trouvé assez craquant. Ça a l'air pas mal, c'est du polyester, hein, 100% polyester. Je pense que ça, pareil, pour un jogging, un peu un jogging short, c'est une matière un petit peu sweet, conforme. Très bien, il va être très à l'aise dedans, je pense que ça va être cool pour lui. Un deuxième petit... Alors je sais qu'il avait pris des ensembles aussi, est-ce que c'en est un? Ouais, ça a l'air d'être un ensemble, on a une sorte de petite veste, un peu chemise, ça va pas être pour maintenant, je pense que ça va être plutôt pour la rentrée. Une sorte de petite veste chemise, c'est une matière un peu particulière honnêtement. Toujours en 13-14 ans, avec des petits boutons. Honnêtement, je ne pourrais pas décrire le style. Hein. Voilà, c'est pas... C'est son style à lui, à mon petit frère. Il a un style un peu street art, je dirais. Le pantalon qui va avec, donc un peu style jogging, mais pas vraiment non plus. Toujours la petite touche, la écriture, California. Et voilà, c'est assez, assez grand, assez large. J'espère que ça lui ira. Vraiment, je ne sais pas trop planté dans les tailles. Mais je pense qu'il va être super content. Troisième petite chose pour mon petit frère. Ah, encore un short. Bah, vous voyez, il y a des trucs pour l'été. Hein. Avec N et Y, non, c'est ça? New York. Donc toujours en mode un peu style sweat, une matière un peu de jogging. Ça a l'air très à l'aise. Toujours en 13-14, ouais. Toujours pareil. Je pense que ça va lui plaire vraiment. Ça, il va être bien dedans avec un petit t-shirt blanc. Ça va être très bien. Là, il a osé aller vers les couleurs un peu flashouilles, quoi. Il s'est pris un petit ensemble, je crois, orangé.
Encore une fois, il y a la chemisette. C'est trop son style ça, parce qu'il adore mettre des trucs un peu colorés, un peu avec des écritures comme ça un peu sympa. Ça, je pense que ça lui ira trop trop bien. J'espère que ça, au niveau de la taille, ça lui ira. C'est encore une fois du 13-14 ans. Mais ouais, c'est assez sympa, le petit col. Et vous avez avec le petit short qui fait un peu style short de maillot de bain. Alors ça, c'est vraiment, je pense, les tenues à mettre à la playa, les jours d'été, vous savez, vous êtes en mode chill, en mode décontracte. Je pense que ça va être plutôt sympa. C'est très léger, vous n'avez pas le choix à l'intérieur. Je pense que ça va être cool. On reste toujours sur mon petit frère. Je pense qu'il s'était pris un jean ou une veste en jean, je ne sais plus. Ouais, non, ça a l'air d'être un jean. Assez grand, assez large. Vous savez, style coupe droite, on dirait très droit, très large. Je sais pas ce que ça va donner sur lui. Ah ouais, mais il est canon le jean. Alors là, c'est en taille 13-14, encore une fois, parce que je sais que des fois j'ai pris des tailles S ou M. Donc regardez, il est canon. Ouais, ça va être encore une fois trop son style. Il aime bien mettre des choses un peu comme ça. Ouais, et il y en a même en bas, regardez, il y a écrit Rock. Là aussi, il y en a partout, il est trop beau. Trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, si vos garçons s'habillent comme ça ou pas du tout, ou vos filles même. Hein. Ça, je crois que c'est pour moi. Enfin, un truc pour moi. Je ne sais plus ce que j'ai pris, parce que je vous avoue que c'était commandé il y a longtemps. Ah si, un petit short pour mettre sous les robes. Donc c'est un short noir, assez basique comme ça, vous savez, un peu style cycliste. Que ce soit pour mettre sous les robes pour éviter qu'on voit ma culotte, ou même si j'ai envie juste d'avoir un short sur moi avec un t-shirt et être en mode à l'aise pendant les vacances. Donc ça tombe bien parce qu'on part dans 2 jours. Vous, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà au Canada, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour suivre un peu tout ça. Mais je voulais trop le tester et l'emmener au Canada parce que j'en ai un, mais un ça suffit pas. Toujours pour le Canada, j'avais pris une espèce de grosse trousse comme ça, je pense de toilette, bah, je me rappelle plus. Ah si, si, maintenant je me rappelle. C'est une trousse un peu style, vous savez les trousses que vous pouvez glisser dans les valises là. Vous pouvez glisser à votre anse de valise. Et c'est ce qui me plaisait. Et du coup comme ça vous mettez tout ce qui est papier ou les bouteilles d'eau, les trucs, enfin les trucs à emmener dans l'avion. Ça c'est parfait, c'est trop bien. C'est en plus noir basique. Vous avez un double fond, parce que je vois. À quoi ça sert ici? Ah non, c'est un côté glaciaire là, en bas. Sympa. L'intérieur n'est pas glaciaire, mais en bas, comme ça, vous avez une petite touche glaciaire. Ici, on a une espèce de trousse comme ça, vous savez, pour protéger de l'eau. Pour mettre peut-être les papiers importants qui ont besoin d'être protégés. Pas mal. Bon, elle a été un peu tordouillée, mais sinon, elle va reprendre forme tout doucement. Voilà, très bien. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est le côté où elle pouvait passer dans la valise, là, au-dessus de la valise, et être posée sur la valise. Donc ça, c'est trop canon pour partir en vacances. Toujours pour partir en vacances, du coup, j'en ai commandé sur Amazon, d'ailleurs, parce que bah, je ne recevais pas cette commande, et ça m'agaçait. Et du coup, bah, j'en ai commandé sur Amazon un peu plus cher. Mais sachez que si vous en cherchez sur Shein, ils sont beaucoup moins chers. Vous savez, c'est des sortes d'organisateurs de rangement à valises. Vous pouvez ainsi mettre vos vêtements un peu triés par catégorie dans vos valises et que ça soit mieux organisé, mieux trié. Et c'est exactement le même que j'ai acheté, mais en version noire sur Amazon. Ça m'a coûté 17 balles, hein, pour info. Donc vous voyez, vous avez plusieurs compartiments comme ça pour mettre vos vêtements. Vous fermez, comme ça c'est bien calé. Et vous avez aussi un rangement, je crois, à chaussures. Une petite trousse comme ça pour mettre aussi votre linge. Ah là, ils ont trop bien. Ah, ça je voulais ça, oui. Ils ont même mis la trousse de toilette comme ça que vous pouvez après. Ah bah mince, il est cassé. Ah bah zut. En fait, vous pouvez l'accrocher logiquement. C'est une sorte de crochet en haut, comme les cintres. Et vous pouvez du coup l'accrocher. Et là, bah elle est cassée. Bon, ça c'est dommage. Sinon vous avez aussi les trousses pour mettre les chaussures à l'intérieur. Enfin bref, tout plein de rangements comme ça. Voilà, c'est celui-là pour les chaussures aussi. Tout plein de rangements, très pratique pour organiser votre valise correctement et à moindre prix. Donc je voulais trop le recevoir là pour mettre, pour préparer mes valises. Mais vous aurez sûrement vu ça dans mes vlogs au fur et à mesure. Hein, je ne sais pas quand est-ce que ce sera cette vidéo, mais vous aurez vu ça dans les vlogs au Canada. J'ai repris un petit cheat comme ça et je suis trop contente. Pour mes cheveux, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Donc si, j'en ai déjà 2. Je pense qu'il y en a un que je vais donner à Iliès parce que je sais qu'il en voulait un. Et bon, il y en a un, ça sera pour Iliès aussi. Alors, comme ça, je ne sais pas lequel encore, mais il y en a un qui sera pour Iliès. En tout cas, ceux-là, sachez que sur Shein, ils sont pas chers et très bien.
Et alors, ah oui, c'est vrai, j'allais dire, il y a un gros sac. J'ai pris un gros sac pour les voyages, pour mon mari, pour justement partir au Canada aussi. Et c'est en mode un gros sac style vraiment confort. Je vous mettrai la photo, je pense, parce que là, comme ça, je ne sais plus ce qu'il rend. Mais il a l'air super quali. Vraiment super quali. Regardez ça, il est super épais, avec des trousses partout. Il a l'air super bien. Pour pareil, mettre sur la valise, il y a encore une fois... le petit, je sais pas si vous verrez ici, la petite anse pour pouvoir l'accrocher sur la valise quand vous êtes à l'hôtel. Il y a même un port USB quoi, regardez ça. Il y a un port USB là. Non, c'est trop fort. Bon, écoutez, je vais le regarder en détail après, mais il a l'air canon. Je pense que ça va beaucoup plaire à mon mari. Et encore une fois, c'était pour notre voyage. Donc on est paré pour aller au Canada, c'est bon. La dernière chose que j'ai reçue, c'est en espèce de lot comme ça de pinceaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une collection Harry Potter qui sortait au niveau de la collection de make-up et tout sur Shein. Évidemment, vous en rendez bien compte que je vais la prendre. Hein. Dès que ça va sortir, je vais la commander. Et là, c'était donc tout un lot de pinceaux très colorés. La collection comme ça, vraiment très 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 colorée et ils sont trop canons. Donc ça se présente comme ça et vous avez vraiment tous les pinceaux là. Donc ça, ils sont magnifiques, vraiment très très beaux et bah écoutez, ils ont l'air super doux. Il y a vraiment tous les styles de pinceaux, donc je pense que je vais les laver, je vais les emmener avec moi en vacances. Ça va être parfait pour avoir une trousse multicolore. On est paré pour les vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, ce haul est rapide, il n'y a pas d'autre chose. Il y avait beaucoup de choses pour mon petit frère. Mais vraiment, soutenez-nous dans les commentaires, dites-nous si vous voulez qu'on refasse une vidéo, enfin je refasse une vidéo avec mon petit frère dans le même esprit. Il a un style un peu particulier, en plus je trouve au niveau des fringues, il a son petit style à lui et que j'aimerais bien partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, que ce soit pour vous, pour vos enfants, vos adolescents, vos cousins, vos tantes, vos neveux. Enfin voilà, vous avez toujours autour de vous peut-être des gens, des enfants ou des jeunes ados qui vont pouvoir se reconnaître à travers cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager déjà en premier. Et puis en plus peut-être que vous aurez des petites idées pour leur offrir des fringues à petit prix. Sur ce, je vous rejoins dans les commentaires pour qu'on discute un petit peu ensemble et qu'on papote. Je vous dis à très très vite dans une future vidéo et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous êtes déjà vous en mode vacances. Salut !